Imaginez l'excitation d'une nouvelle connexion avec quelqu'un, les rires, les blagues internes, la sensation d'être sur la même longueur d'onde. Mais ensuite, sans avertissement, le silence s'installe. Pas de texto, pas d'appel, pas d'explication. L'incertitude est étouffante, vous laissant vous demander si vous avez fait quelque chose de mal ou s'il a simplement perdu intérêt. L'anxiété est palpable et le fait de ne pas savoir vous rend fou. Vous restez à fixer votre téléphone, espérant qu'il sonne, qu'il vibre, qu'il vous donne un signe qu'il pense encore à vous. Mais si je vous disais que son silence n'est pas un reflet de votre valeur ou de votre dignité d'amour? Et si c'était en fait une opportunité de renverser la situation et de le faire revenir vers vous? Dans cette vidéo, nous allons révéler les choses que vous pouvez faire lorsqu'un homme vous ignore, qui inverseront la situation et le feront désirer votre attention comme jamais auparavant. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de la situation et à le faire revenir vers vous? Numéro 1. Réduisez le temps que vous lui accordez. Voici la dure vérité. Le temps est votre atout le plus précieux. Lorsqu'un homme vous ignore, il est facile de tomber dans le piège d'attendre son attention. Mais si vous adoptiez une approche différente? En réduisant délibérément le temps que vous lui consacrez, vous créez un sentiment de rareté. Moins vous êtes disponible, plus votre temps devient précieux. Cette tactique ne consiste pas à jouer à des jeux. Il s'agit de respecter votre propre temps et votre énergie. Les recherches en comportement humain montrent que les gens valorisent ce qu'ils perçoivent comme rare. Lorsque vous cessez de vous rendre si accessible, vous constaterez qu'il commence à se demander ce qui a changé et il sera attiré de nouveau vers vous, désireux de regagner votre attention. 2. Connaissez votre valeur. C'est peut-être le point le plus important de tous. Connaître votre valeur ne concerne pas seulement l'estime de soi. Il s'agit de fixer des normes pour la façon dont vous permettez aux autres de vous traiter. Lorsqu'un homme vous ignore, il est facile d'intérioriser ce comportement comme un reflet de votre valeur. Mais c'est loin d'être la vérité. En connaissant votre valeur, vous fixez une barre pour la façon dont vous vous attendez à être traité. Lorsqu'il voit que vous ne tolérerez pas d'être ignoré ou maltraité, cela envoie un message puissant. Les individus de grande valeur attirent des partenaires de grande valeur. Rappelez-vous, vous êtes le prix et c'est à lui de mériter votre attention, pas l'inverse. 3. Surprenez-le avec quelque chose qu'il aime. Lorsque vous interagissez avec lui, faites en sorte que cela compte. Un geste bien pensé et bien chronométré peut en dire long. S'il a été distant, prenez-le au dépourvu avec quelque chose que vous savez qu'il aime. Peut-être un petit cadeau qui reflète ses intérêts, ou peut-être planifier une activité qu'il apprécie. L'objectif est de briser la monotonie et de lui rappeler pourquoi il était attiré par vous en premier lieu. Les études sur les interactions humaines révèlent que les surprises positives inattendues peuvent créer des liens émotionnels plus forts. En lui faisant une agréable surprise, vous ravivez l'étincelle d'une manière qui semble authentique et personnelle. 4. Habillez-vous pour impressionner. L'apparence n'est pas tout, mais c'est un outil puissant dans votre arsenal. Lorsqu'un homme commence à s'éloigner, il est facile de se sentir insécurisé. Au lieu de vous retirer, améliorez votre jeu. Habillez-vous de manière à vous sentir confiante et sexy, pas pour lui, mais pour vous-même. La confiance est incroyablement attirante. Et lorsque vous entrez dans une pièce en dégageant de l'assurance, il est difficile pour quiconque, y compris lui, de vous ignorer. Les études psychologiques ont montré que la façon dont nous nous habillons impacte directement notre humeur et la perception des autres. En vous habillant pour impressionner, vous envoyez un message clair. Vous connaissez votre valeur et vous n'accepterez rien de moins. Avant de continuer, si ces idées vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. 5.
Ne parlez pas trop et n'essayez pas trop d'impressionner. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils se sentent ignorés est de surcompenser en parlant trop ou en essayant trop d'impressionner. C'est compréhensible. Vous voulez lui rappeler à quel point vous êtes incroyable, mais voici le problème. Trop expliquer ou essayer de forcer une connexion peut sembler désespéré. Au lieu de cela, adoptez le pouvoir du silence. Laissez vos actions et non vos mots parler pour vous. Lorsque vous gardez une part de mystère, cela éveille sa curiosité et le pousse à vouloir en savoir plus. Il y a un vieux dicton qui dit « moins c'est plus ». Dans ce cas, c'est tout à fait vrai. 6. Entourez-vous de meilleurs amis masculins. Les hommes sont naturellement compétitifs, surtout en ce qui concerne les femmes. En vous entourant d'autres hommes, en particulier de proches amis masculins, vous signalez subtilement que vous êtes désirable et recherché. Cela fait appel à ses instincts primaires, lui faisant réaliser que s'il ne se manifeste pas, quelqu'un d'autre le fera. Des exemples concrets montrent que lorsqu'un homme vous voit interagir confortablement avec d'autres hommes, il est plus susceptible de ressentir un sentiment renouvelé d'urgence pour vous conquérir. L'objectif ici n'est pas de le rendre jaloux, mais de démontrer que vous avez des options et que son absence ne laisse pas de vide. 7. Connaissez votre valeur, agissez en conséquence. Lorsque vous connaissez votre valeur, cela se reflète dans chaque interaction. Mais le savoir ne suffit pas. Vous devez agir en conséquence. Un homme est attiré par la confiance. Et lorsque vous vous comportez avec assurance, cela envoie un message clair. Vous n'êtes pas désespéré et vous ne tolérerez pas d'être ignoré. Agir en accord avec votre valeur signifie fixer des limites sans dire un mot. S'il vous voit vous respecter, il réalisera qu'il doit améliorer son comportement. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit d'une confiance tranquille qui dit « je sais ce que j'apporte à la table ». Lorsque vous incarnez cet état d'esprit, il se mettra à votre niveau où vous verrez rapidement qu'il ne vaut pas votre temps. 8. Gardez-le dans l'incertitude, mais restez authentique. Il y a une fine ligne entre être mystérieuse et être manipulatrice. L'objectif n'est pas de jouer à des jeux, mais plutôt de maintenir un élément de surprise. Ne soyez pas toujours disponible ou prévisible. Parfois, laissez-le se demander ce que vous faites, mais assurez-vous que cela soit enraciné dans votre vie authentique. Sortez avec des amis, adoptez de nouveaux passe-temps ou investissez dans votre carrière. Cela garde votre vie riche et pleine, vous rendant plus attirante dans le processus. Un homme trouve une femme qui est à l'aise, dans sa peau irrésistible. Lorsque vous le gardez dans l'incertitude de manière naturelle et authentique, cela maintient la dynamique fraîche et excitante. 9. Contrôlez le récit sans dire un mot. Les actions parlent plus fort que les mots, et parfois la meilleure façon de regagner l'attention d'un homme est par des actions subtiles mais puissantes. Recentrez l'attention sur vous, en vous concentrant sur les soins personnels, en poursuivant vos passions et en étant vu en train de profiter de la vie. Lorsqu'il vous voit prospérer sans avoir besoin de sa validation, cela remet en question sa perception de vous et le pousse à reconsidérer son approche. Il ne s'agit pas de jouer la difficile à obtenir. Il s'agit de lui montrer, sans dire un mot, que vous contrôlez votre bonheur. Cela change subtilement la dynamique de pouvoir en votre faveur, lui faisant réaliser ce qu'il manque. 10. Montrez-lui qu'ignorez-vous et sa perte. Enfin, le geste le plus puissant que vous puissiez faire et de vivre votre vie de manière si pleine et joyeuse qu'il voit ce qu'il perd en vous ignorant. Cela ne signifie pas exhiber votre bonheur pour le rendre jaloux. Cela signifie cultiver véritablement une vie que vous aimez. Lorsqu'un homme vous voit prospérer, entouré de positivité et de personnes qui vous apprécient, cela met en évidence ce qu'il manque. La réalisation que vous allez parfaitement bien sans lui peut être un puissant motivateur pour qu'il se réengage. En fin de compte, la meilleure revanche est le succès. Vivre bien
et montrer que son absence ne diminue pas votre valeur ou votre joie. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous trouvez ces idées intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans la section des commentaires.